Morgan, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le long Nishmat, Avram Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani, et Dvorah, Batester. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Misha, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions ma Sechat Yvamot, Perek Dalet, Mishnah Yud Gimel, Ezeu Mamzer, Kol Sheher, Basar, Shehu Belo Yavo, Divrei Rabbi Akiva, Shimon Atini Omer, Kol Shechayvin Alav Karet, Bidei Shamayim, Valacha Kidvarav. Rabbi Yoshua Omer, Kol Shechayvin Alav, Mitat Bet Din, Amar Rabbi Shimon Ben Azai, Matsati, Megilat Yuchsin, Birushalayim, Shekbekatuv Ba. Ishploni mamzer me eshet ish le kayem divrei Rabbi Yehoshua. Ishto shemeta mutar bachota ger sham vameta mutar bachota niset leacher vameta mutar bachota yevimto shemeta mutar bachota chalatzla vameta mutar bachota niset leacher vameta mutar bachota. Deux sujets dans notre Mishnah. On a eu un long shiur dans la Mishnah précédente pour bien expliquer ce qui se passe dans la première partie de la Mishnah. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'est des choses élémentaires évidentes. On va revoir rapidement. Premier sujet d'abord, c'est de définir qu'est-ce que c'est un mamzer. Un mamzer que la Torah a explicitement défendu dans Parashat Kitetsé, la Perek Chav Gimel, au tout début du Perek Chav Gimel, plus précisément au Pasuk Gimel. La Torah, La Torah, elle me dit un Pasuk comme ça. Lo yavo mamzer bikal Hashem. C'est ici. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Gamdor Asiri. Lo yavo lo bikal Hashem. Un mamzer, littéralement un bâtard, n'entrera pas dans le Kahal Hashem, dans l'assemblée d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne se mariera pas avec quelqu'un du Ham Israël classique. Même Gamdor Asiri, même la dixième génération, Lo Yavolo Bikal Hashem, ne pourra pas entrer dans le Kahal Hashem. Ça signifie, au sens simple, dans la halakha concrète, ça signifie que s'il y a eu une union interdite, une femme mariée qui a eu un rapport avec un autre homme que le sien, ou ça peut même être une femme qui n'a pas reçu son guet, malheureusement, c'est fréquent chez les familles pas tellement pratiquantes. Ils se sont séparés, ça fait déjà un an et demi qu'ils ne vivent plus ensemble. Elle connaît déjà quelqu'un d'autre. Ils commencent à vivre ensemble. Et s'ils ont de cette union, ils ont un enfant qui naît, ça sort un mamzer. Parfait. D'accord? Parce qu'elle n'a pas reçu son guet pour divorcer avec un guet en bonne et due forme. Donc c'est une femme mariée, concrètement, anarchiquement. Et tous les rapports qu'elle va avoir, c'est des rapports de femme de chétiche. Elle est très nec sur ça à chaque fois. Et si un enfant qui naît de cette union-là, c'est un mamzer. Si jamais elle divorce, finalement elle reçoit son guet, après elle continue à vivre, elle aura un enfant, l'enfant ce ne sera pas un mamzer, ce sera une certaine passe-loute, ce ne sera pas un bon enfant, mais yuchas comme il faut, dans des mauvaises midotes et tout ça, mais en tout cas, mamzer, il ne le sera plus. D'accord? Ça c'est pour la halakha concrète. Un mamzer, donc c'est un bâtard. Qu'est-ce que c'est un bâtard? Tout va démarrer à partir de ce pasouk, et on a trois avis explicités dans la Mishnah, avec deux supplémentaires, ou même trois supplémentaires dans la Gemara, mais on va se contenter sur la Mishnah. On les a déjà introduits hier. Trois avis, c'est Rabbi Akiva, Shimon Atimni, qui est comme l'Alaha, et Rabbi Yoshua. On les fait tout de suite. Et Zéo Mamzer, qu'est-ce qu'il y a un Mamzer? Kol She'er Basar, tout ce qui est un She'er Basar. She'er Basar, c'est considéré comme sa propre chair. Regardez le mot She'er et She'er, c'est la même chose. Tout ce qui est considéré comme sa propre chair, ça veut dire que c'est un certain lien de parenté. She'u Belo Yavo, qui est interdit par un Lo Yavo, par un interdit de lave. D'accord? Je laisse la phrase floue pour le moment, on reviendra dessus ensuite pour expliquer comment ça se lit exactement. C'est l'élève de Rabbi Akiva. En tout cas, selon Rabbi Akiva, en fait, on déduit de là que toute femme qui a un interdit de lave, et qui nous rajoute qu'il y a un certain rapport de chair, c'est un certain lien de parenté, même interdit par lave, voilà la phrase un peu bizarre qu'il y a écrit dans Rabbi Akiva, alors ce qui naîtra de cette union sera un mamzer. En réalité, en fait, il faut couper la phrase, d'abord je le dis tout de suite, ça peut être soit un cher bassard, soit un lien de parenté, un rapport avec une femme qui a un lien de parenté, ou encore Vécheu Beloyavo, ou encore un autre qui est interdit juste par un interdit de lave. Là, donc ça sort qu'en fait que Rabbi Akiva est venu nous expliciter deux types de femmes, toute femme qui a un lien de parenté avec lui, ou toute femme qui est interdit par lave, comme ce qu'on avait dans la Mishnah précédente, que Rabbi Akiva considère que même Marzir Rouchato, celui qui va reprendre sa femme divorcée après qu'elle s'est mariée à quelqu'un d'autre et qu'elle a été divorcée de nouveau par lui, et qu'après elle reprend, même sur ça, ça fait un enfant mamzer. Ok? Divrei Rabbi Akiva, tel est l'avis de Rabbi Akiva. Shimon Atimni Omer, Shimon Atimni pense que non. Kol Shravin Alav Karet, Bide Shamayim. Il faut forcément une union de lien de parenté où il y a un interdit de karet entre eux. Un interdit que la Torah a dit qu'il y a un interdit de retranchement. Alors il y aura un karet. Ça veut dire que si jamais il a un rapport avec juste une femme qui a un interdit de lave, en l'occurrence, on va prendre le cas qu'on a évoqué avant, Marzir Rouchato, ouais, vous vous rappelez, c'est quoi le cas? Il s'est marié avec une femme, il l'a divorcée, cette femme. Elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un d'autre, il est finalement divorcé ou mort. Elle décide finalement de revenir chez son premier mari.
Il y a un interdit de lave de la Torah. Lo yochal ba'al harishon elo shuv la karta achra asher utama. Il ne pourra plus, le premier mari ne pourra plus la reprendre, c'est de mon chef qui était, tout ça. Et donc il y a un interdit de lave, il y a un lave. Selon ça, il n'y aura pas d'interdit de. Il ne sera pas mamzer l'enfant. Tu transgresses un interdit de lave, c'est vrai, mais ça ne fait pas un mamzer. Parce qu'il faut forcément un interdit de karet, un lien de parenté qui est interdit par karet, par retranchement. En l'occurrence, ça peut être une femme mariée, bien évidemment, ça peut être aussi sa sœur, sa fille, sa mère, s'il avait un rapport avec eux, l'enfant qui naîtra, ce sera un mamzer. Le mamzer qui naîtra, il sera, on ne pourra pas se marier avec ce mamzer. De nouveau, tout celui qui veut dire que ça s'appelle un mamzer, ça signifie que même après, comme ce qu'on a vu dans le pasouk, même après 10 générations, lui va se marier avec une femme comme lui, ou avec une guillorette. Parce qu'ils ont le droit, il y a marqué la Torah à l'explicité, qu'ils n'ont pas le droit de se marier avec une Bekaal Hashem, avec l'assemblée d'Hashem. Un guerrier n'est pas considéré comme Kaal Hashem, il a le droit de se marier avec qui il veut. Donc il pourra se marier avec elle. Imaginez qu'un guerrier va se marier avec elle et son fils va se marier avec une autre guillorette, son fils avec une autre guillorette. Même après 10 générations, la Torah m'enseigne que, bah, malgré tout, l'enfant qui continuera à naître, il sera encore considéré comme un mamzer, après 10 générations encore. Donc on ne pourra pas se marier avec eux, c'est clair? Ça c'est la vie de Shimon HaTimi, après on va les récapituler, Bezrat Hashem. Rabbi Yoshua, Omer Rabbi Yoshua nous dit, non, Kol Shechavin Alav Mitat Bet Din. Selon Rabbi Yoshua, il faut nécessairement un Chiyuv Mitat Bet Din. Une femme avec qui la relation elle est interdite par condamnation à mort par le Bet Din, et pas par karet, par retranchement du ciel. Soit, selon Rabbi Yoshua, un homme qui aurait un rapport avec sa sœur. Malheureusement, il y a eu des cas, il faut faire attention avec les jeunes enfants, il faut protéger, il faut toujours avoir un œil sur ça. Ne pas être trop simplé, après on ne comprend pas pourquoi il y a des accidents. Il faut être vigilant dans toutes les situations, même quand on est religieux, même quand on est ce que vous voulez, même frères et sœurs et cousins, on ne laisse pas les enfants s'isoler tout seuls. Bon, ça c'est pour le côté chinour. En tout cas, Kol Shechavin, donc pour... il y avait une histoire terrible à Yerushalayim, il y a 2-3 ans, vous avez découvert un bachour... une certaine chassidoute qui avait il a mis sa soeur enceinte, quoi. Et après, il s'est suicidé, enfin, catastrophe, jamais retombé. Faut être vigilant. En tout cas, je reviens maintenant sur le sujet de la Mishnah. Selon Rabbi Yoshua, l'enfant qui naît d'un rapport un homme avec sa soeur, par exemple, eh bien, l'enfant, il n'est pas mamzer. On a le droit de se marier avec lui. D'accord? Parce qu'il faut nécessairement une condamnation à mort, donc avec une femme mariée, ça peut être encore avec sa femme, avec sa fille plutôt, ça peut être avec sa belle-fille aussi, mais pas avec sa soeur. Ok? Donc, on a maintenant trois avis. Si on les classe, selon Rabbi Akiva, tous les interdits de lave. Selon Shimon HaTimni, tous les chèves écrits toutes. Et va alacha qui devra, va alacha, elle est comme lui, comme ce que la Mishnah nous dit. Et selon Rabbi Yoshua, il faut nécessairement une condamnation à mort pour le badin pour avoir un enfant mamzer. Sur ça, on a Rabbi Shimon Ben Azaï. Après, je conclue plus précisément avec la source dans les psukim. Amar Rabbi Shimon Ben Azaï. Rabbi Shimon Ben Azaï nous raconte. Matsati Vigilat, Yursin Birushalayim. J'ai trouvé un parchemin de lien, de comment dire, d'arbre généalogique à Yerushalayim, c'est-à-dire qu'en fait, il veillait à l'époque à bien garder quelles étaient les familles kshérot, surtout avec les Kohanim, encore plus pour pouvoir se marier avec des Kohanim à l'époque, il fallait nécessairement avoir un pur sang jusqu'à 4 générations supplémentaires où on connaît les parents, grands-parents et grands-parents. Car ça arrête nous. Par exemple, des balais de Chouvac, on ne sait pas ce que les parents ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, tout ça. Hein. On se tenait à l'écart de familles. Les familles qui étaient miyuchasot, qui avaient un arbre généalogique bien propre et pur et bien net, depuis de père en fils jusqu'au Shvatim, en fait, jusqu'aux ceux qui sont en Égypte, ils faisaient attention à se marier qu'eux, entre eux, à bien garder le Keren Israël, le verger d'Israël qui restait bien propre et bien net, sans aucune famille un peu suspecte. Où on allait savoir s'il n'y a pas eu des écarts, s'il n'y a pas eu... D'accord? En tout cas, ça c'était un Migilat Yursin, ça veut dire qu'il avait trouvé un arbre généalogique. Avec Katouvba, il y avait écrit dedans, Ish ploni mamzer meshet ish, il y avait là-bas, il y avait écrit que telle personne, c'est un mamzer meshet ish, c'est un mamzer parce qu'il a eu un rapport avec une femme mariée, les kayem divrei Rabbi Yoshua, afin de maintenir les paroles de Rabbi Yoshua. En fait, Rabbi Shimon ben Azaï, Ben Azaï. Alors, il vient, il nous témoigne qu'en fait, il a trouvé un parchemin à Yerushalayim qui prouvait que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua, même si réellement la halakha n'est pas comme lui, mais ce parchemin, il prouvait que la halakha était comme Rabbi Yoshua, parce que là-bas, on avait bien insisté sur le fait que telle personne, c'est un mamzer, parce que il est né d'une union interdite avec une femme mariée.
l'insistance du parchemin de dire parce qu'il est né d'une femme mariée, ça veut nous dire que si ce n'était pas une condamnation de mort par le Badin, ça aurait été un mamzer. D'accord? Donc on a trois avis, avec d'un côté Rabbi Shimon ben Azaï qui rapporte un témoignage qui prouve apparemment que la halakha est comme Rabbi Yoshua, mais la halakha nous dit, mais la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit que la halakha est réellement comme Shimon Atimni. Comme le deuxième avis de la Mishnah qui nous dit qu'il faut nécessairement un chayav karet. Ok? Vraiment, en deux petites minutes, je vous dis comment la source, elle est déduite du pasouk. C'est lié, en fait, parce que si vous ouvrez le Kitetse dans Chav Gimel, il y a marqué dans le premier pasouk, de pasouk Aleph, « Loïkar ishet eshet aviv, velo yegale kenaf aviv ». Il y a une répétition bizarre dans le pasouk qui me dit « Un homme, loïkar ishet eshet aviv, un homme ne prendra pas la femme de son père, même si son père est divorcé, imaginez son père s'est marié avec une autre femme, après la divorce, le fils n'aura pas le droit de se marier avec sa belle-mère, la femme de son père ». Et aussi, Veloye, et la Torah nous rajoute une phrase un peu bizarre, Veloye égale knaf aviv, et il ne dévoilera pas l'aile de son père. C'est quoi l'aile de son père? Bonne question. Je saute le pasuk bête parce qu'il n'a pas de rapport avec nous, et après, le pasuk guimel, il me dit, lo yavo mamzer bikhal Hashem. Un mamzer ne viendra pas dans le kehal Hashem, dans l'assemblée d'Hashem. Voilà les deux psukim qui sont juxtaposés pour nous dire, toute notre Mishnah, elle démarre à partir de ce pasuk en fait. Et tout démarre à partir de ce pasuk bizarre, lo yégale knaf aviv. Soit, en fait, la Gemara explique une chose de sûre. On fabrique un mamzer quand on transgresse l'interdit de lo yegale knaf aviv. On ne prendra pas le knaf aviv, l'aile de son père. Waouh! Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu fais un mamzer avec le knaf aviv. Sur ça, il y a deux interprétations, c'est quoi le yegale knaf aviv? Et de là, tout part. Tous les avis partent à partir de ce pasouk mamash. Lo yegale knaf aviv, il y a un premier avis qui nous dit que s'il y a une chomeret yavam, si son père, il attend de faire le hiboum avec une certaine femme, avec sa tante, le fils, il va avec elle, il transgresse en plus un interdit de l'Oyegalek Nafavi, un interdit supplémentaire pour celui qui va prendre la chomeret yavam de son père. En plus de prendre la femme de son oncle, qui est un interdit, l'Irshel Atmo, ouais, Eshet Achi Aviv, c'est une herva de la Torah. En plus de ça, il transgresse un interdit supplémentaire, on le frappera doublement, s'il si prend la Knaf Aviv, la chomeret yavam de son père. Ça, c'est un premier avis, c'est comme ça que c'est fixé pour la halakha. Mais il y a un avis qui s'appelle Rabbi Yehuda dans la Mishnah, dans la Gemara. Qui pense que l'Oyegalek Nafaviv, c'est toute femme que son père aurait même eu un rapport extra-conjugal. Avec une jeune fille, son père il a eu un rapport avec une femme, ça s'appelle Knafaviv, ça s'appelle que son père, puisqu'il a dévoilé la nudité d'une certaine femme, son fils, il aura un interdit de lave d'aller avec elle. Il y aura un lave, un interdit explicite de la Torah d'aller avec cette femme. Pas plus, pas un interdit de carette, mais juste un interdit de lave. Comme ça, Rabbi Akiva, c'est ça la vie de Rabbi Yehuda qui le pense, et Rabbi Akiva se fonde sur ça, il pense aussi à cet avis-là, pour me dire que puisque son père, il transgresse, il s'est parti avec une femme, même une jeune fille, il a transformé cette femme en étant une knafa vive, une femme violée par son père, ou qui a eu un rapport avec son père, le fils, il a un interdit de lave d'aller avec elle, et si maintenant la Mishnah vient, la Torah vient me dire, et un mamzer, donc celui qui naîtra de cet union lorsque le fils ira avec cette femme, où le père, où il transgresse juste un interdit de lave, eh ben, il fabriquera un mamzer par cette union. De là, c'est déduit la vie de Rabbi Akiva, tandis que Chachamim, c'est Shimon Atimni, il va considérer que non, le Galek Navi ne vont pas de la Shemret Yavam, qu'un Chiyuv Mita. Et aussi, Eshet Aviv, aussi la femme de son père. Alors, je ne sais plus exactement comment Rabbi Yoshua y rentre précisément, mais c'est lié aussi à ça, hein. Est-ce qu'on déduit qu'on parle que de Chiyuvri Karet ou même de Chiyuv Mitabi Deshamim, d'accord? Donc c'est déduit là. Voilà pour la première partie de la Mishnah, qui était la partie la plus longue. Deuxième partie de la Mishnah, elle est très simple. La Mishnah, la Gemara nous dit que c'est une Mishnah chez Enat Srichai. C'est une Mishnah qui est complètement supplémentaire, qui a été écrite pour rien tellement qu'on connaît déjà tout ce qui est écrit dedans. Je rappelle très rapidement le principe, comme ça on le revoit dans les mots. C'est un homme qui est marié à une femme. Moi, je n'ai pas le droit de me marier avec ma belle-sœur. Un homme n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme, tant que sa femme elle est vivante. Après le décès de sa femme, il a le droit de se marier avec sa belle-sœur. Qu'il s'agisse que sa femme elle est décédée alors qu'il était marié avec elle, qu'il s'agisse qu'il a divorcé sa femme et qu'ensuite elle est décédée, ou bien qu'il a divorcé sa femme et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et qu'après elle décède, il pourra se marier avec sa belle-sœur. Mais tant qu'elle est vivante, il ne peut pas se marier avec sa belle-sœur. Ça, ça fait un. Et deuxièmement, même principe avec la Yevama. Maintenant, j'ai une femme qui est devant moi en hiboum. J'avais un frère, Yitzhak, comme ça j'ai pas de frère Yitzhak, Baruch Hashem, qui est décédé.
Et il a laissé sa femme qui est en hiboum devant moi. Moi, pour le moment, je n'ai pas le droit de me marier avec sa sœur. Si cette Yevama décède, j'ai le droit de me marier avec sa sœur. Voilà, la Mishnah est venue m'enseigner ça. Je fais tout dans les mots très rapidement. Et Ishto Shemeta, sa femme qui décède, Mutar Bachota, il a le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Gerecha Vameta, s'il a divorcé et ensuite elle est morte, Mutar Bachota, il a le droit de se marier avec sa sœur. Niset Lacher Vameta, après même s'il a divorcé et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Vameta, et après elle décède, alors Mutar Bachota, il a le droit de se marier avec sa sœur. Mais tant qu'elle ne décède pas, il n'a pas le droit de se marier avec sa belle sœur. Autre même principe, Yevimto Shemeta, ça, Yevama, celle qui attendait qu'on le fasse le hiboum, la femme de son frère Yitzhak. Mutar Bachota, il a le droit de se marier avec sa sœur. Une fois qu'elle est morte. Khalatzla va meta. S'il a fait la khalitza et qu'après elle meurt, de nouveau, Mutar Bachota. Il aura se marié avec sa sœur, de cette femme-là, avec qui il a fait la khalitza. Mais tant qu'elle est vivante, il n'a pas le droit, parce que Khalutzato s'est considéré comme sa femme qui l'a divorcée, un petit peu. Niset le acher va meta. S'il a fait la khalitza et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et qu'après elle meurt, alors seulement après Mutar Bachota, elle sera permis de se marier avec sa belle-sœur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. C'est là.